Bienvenue à toutes et à tous pour cette web TV dédiée aux additifs pour moteurs thermiques. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour Fabien. Je suis ravie de faire cette émission avec toi aujourd'hui. Je t'en prie Sylvie. Avant d'aborder les différents sujets de cette web TV, je précise à nos téléspectateurs qu'ils peuvent poser leurs questions directement sur le chat qui se situe à droite de l'écran si vous êtes sur PC et en bas de votre écran si vous êtes sur mobile. Effectivement Fabien, nos experts sont disponibles en direct pour répondre à toutes vos questions durant l'émission. Et c'est pas le tout Sylvie, car pour les produits présentés aujourd'hui, ils font l'objet d'une remise immédiate pour nos téléspectateurs. Elle est valable à compter d'aujourd'hui et ce jusqu'à la fin de l'année. Vous pouvez directement retrouver les produits sur notre e-shop ou bien auprès de votre conseiller commercial. Eh bien c'est génial ça Fabien, et de quoi on va parler aujourd'hui ? Eh bien nous avons un bon programme pour cette émission Sylvie. Nous allons aborder plusieurs problématiques que vous pouvez rencontrer lors d'opérations de maintenance, d'entretien mécanique, automobile, périodique, tels que les révisions, mais aussi les problèmes ponctuels concernant le bon fonctionnement d'un moteur et ses différents organes. Nos conseils vous permettront de faciliter vos tâches au quotidien et de pouvoir effectuer en toute sécurité. Les produits additifs que nous allons vous présenter font partie de la gamme stratégique pour Wurth France et la division automobile. Sylvie, sais-tu nous en dire plus ? Oui, bien entendu Fabien. Il est important pour Wurth France de répondre aux problématiques des clients. Aussi, dans notre stratégie, nous mettons le focus sur des gammes de produits bien définies qui y répondent. C'est aussi de là que sont nés les produits destinés à la revente pour l'utilisateur final. Ainsi, vous, clients, pouvez revendre à vos clients particuliers, soit dans le cadre d'une prestation de service ou en revente directe, des produits de qualité pour à la fois apporter une solution aux problèmes des automobilistes ou de prévenir certains autres problèmes, mais surtout de générer un chiffre d'affaires additionnel et des marges conséquentes. Vous retrouverez tous les produits de la gamme additive sur notre e-shop, une page y est dédiée, avec un configurateur qui répond aux problématiques que vous rencontrez. Le lien se trouve dans notre chat. Aussi, des vidéos peuvent être consultées sur notre chaîne YouTube. C'est un atout de taille d'avoir tous ces éléments accessibles sur le net par rapport à nos concurrents. Alors Fabien, quel est le premier sujet dont tu vas nous parler aujourd'hui ? Nous allons dans un premier temps aborder les additifs traitement carburant, diesel et essence. En effet, c'est le marché le plus important et donc les produits les plus utilisés en France. Ils sont vendus dans les supermarchés, les centres auto, les stations-service. Mais peu ou pas assez des garagistes les proposent à leurs clients. Alors que les grandes marques automobiles les préconisent à leurs clients à chaque entretien périodique. Ça a l'air intéressant. Tu nous expliques ça en détail, Fabien ? Bien sûr, c'est très simple, Sylvie. Il suffit de verser le nettoyant système injection, essence ou diesel, dans le réservoir du véhicule, peu importe le volume de carburant qu'il y a à l'intérieur. Ce qui compte, c'est que nous ayons au moins une barre au-dessus de la réserve, donc au niveau de la jauge. Ensuite, il suffit de rouler pour brûler le produit qui s'est mélangé avec le carburant lors des ballants naturels, freinage, accélération, rond-point. Dans le réservoir, l'additif entre en action, il dissout les boues, les limons, au fond du réservoir et dans le circuit d'alimentation du carburant et les injecteurs. Une fois dans la chambre de combustion, la combustion de l'additif va permettre de dissoudre également les plaques de calamine et des suies qui se sont déposées sur les soupapes, les têtes d'injecteurs et les pistons. Et de ce fait, restaurer les performances du moteur. Et un moteur propre consomme moins et pollue moins. Très bien, mais c'est la même chose pour l'essence et le diesel ? Pas tout à fait, Sylvie. L'utilisation est identique. Mais nous avons un additif pour l'essence et un additif pour le diesel, car ce sont deux carburants différents et deux motorisations différentes. Alors, si j'ai bien compris Fabien, nos clients garagistes peuvent proposer à chaque entretien périodique une prestation complémentaire de nettoyage des systèmes d'injection essence ou diesel, comme le font d'ailleurs déjà un grand nombre de concessions automobiles sur les véhicules récents. Donc j'imagine que c'est encore plus légitime sur les véhicules anciens, qui ont plus de kilomètres, puisque ça va permettre de rouler avec un véhicule plus propre, donc de moins polluer la planète. Tout à fait, Sylvie. Pour résumer, nous savons que les additifs traitement carburant Wurth sont simples d'utilisation. Leur efficacité a été certifiée par un laboratoire indépendant, TÜV. Ils peuvent être utilisés à titre préventif ou curatif lorsque l'on a un souci sur le système d'alimentation du carburant. Ils facilitent le passage au contrôle technique, restaurent les performances du moteur, réduisent la consommation de carburant,
peut éviter des travaux onéreux comme le remplacement d'injecteurs et permet aux garagistes de revendre les additifs dans une prestation de service ou en direct afin de faire un CA supplémentaire et de générer une marge confortable. Donc je vois que nos produits répondent en totalité aux attentes de nos clients garagistes et à leurs clients automobilistes en apportant un gage de sécurité pour l'utilisateur. Voilà, j'espère que vous avez pu retenir tous les avantages liés à ces additifs traitement carburant, dont vous trouverez plusieurs offres en parallèle de cette émission qui apparaissent à présent en bas de votre écran. Avant de passer à la suite, je vous rappelle que nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions sur le chat. Alors Fabien, quelle autre thématique est au programme ? J'aborderai dans cette seconde partie les additifs pour circuits de lubrification et boîtes de vitesse manuelles. Nous avons deux produits pour l'huile moteur, le nettoyant moteur avant vidange et deux additifs qui améliorent la qualité de l'huile moteur et l'huile des boîtes de vitesse. Et comment ça marche ? Pour le nettoyant moteur avant vidange, c'est un produit qui est préconisé par de nombreux constructeurs automobiles, notamment Stellantis, Ford, lors des changements de turbo. Sa fonction première est de nettoyer le circuit de lubrification moteur, le bloc moteur, le carter et la crépine. Il dissout les pattes, les boues ou encore les goudrons qui se sont formés avec la coquefaction de l'huile. Il les met en suspension pour leur élimination lors de la vidange et il permet ainsi de mettre de l'huile neuve dans un moteur propre. C'est du bon sens. Nous préconisons lors de la vidange à partir de 60 000 km. D'ailleurs Fabien, je crois que nous avons une vidéo à présenter à nos téléspectateurs qui montre bien son action. Tout à fait Sylvie, bon visionnage. Deuxième produit pour l'huile moteur est le Lubuil Plus. Il permet d'améliorer la qualité de l'huile, il est à la fois anti-friction, il protège de la corrosion, évite la formation de boue, libère les segments encrassés et évite la remontée d'huile dans les chambres de combustion. Il est aussi compatible avec les moteurs essence que diesel. Pour la petite histoire, Sylvie, c'est le premier additif inventé en 1939 par un Américain. Pour finir, dans cette famille d'additifs traitement d'huile, nous avons aussi le BVM Lub pour les boîtes de vitesse manuelles et les pompes 4x4. Il stabilise la viscosité de l'huile, ralentit son usure, réduit les frottements et les bruits de fonctionnement. Simple d'utilisation, il se présente sous forme de bombe aérosol avec un pistolet pour une meilleure injection dans la boîte. Donc si j'ai bien compris Fabien, tous ces produits prolongent la durée de vie des moteurs et des boîtes de vitesse. C'est tout à fait cela Sylvie. Et pour cela que les marchands de lubrifiants en rajoutent de façon systématique dans leurs huiles. Pour résumer, nous avons vu que les additifs traitement d'huile Wurt sont simples d'utilisation. Ils permettent de prolonger la vie des moteurs et de la boîte de vitesse. Le traitement moteur peut être vendu dans le forfait vidange. D'ailleurs, certains marchands de lubrifiants proposent aux garagistes de mettre en place des supports pour proposer aux automobilistes ce produit et réaliser un chiffre d'affaires additionnel avec une marge confortable. Avant de vous parler de l'autre gamme d'additifs des circuits de refroidissement, je vous rappelle que vous pouvez poser à tout moment vos questions via le chat, des experts répondront à vos questions. Toutes nos offres sont aussi disponibles en bas de votre écran. Fabien, nous allons maintenant aborder une autre famille d'additifs qui concerne les circuits de refroidissement des moteurs.
Dans cette famille, nous avons aussi trois produits, dont une nouveauté, il me semble. Tout à fait, Sylvie. Nous avons en effet lancé, il y a quelques mois maintenant, un réparateur de fissures de culasse. C'est un produit qui est renforcé avec de l'aramide, de la fibre de carbone, avec lequel on fabrique les gilets pare-balles des soldats aux États-Unis. Il permet de stopper la surchauffe des moteurs et la perte de liquide de refroidissement grâce à l'extrême cool qu'il contient. Il assure une réparation fiable et efficace sur des véhicules anciens et hors garantie. Il permet, dans la majorité des cas, une réparation économique et rapide. Simple d'utilisation, lui aussi, il suffit de le verser directement dans le vase d'expansion ou le radiateur, d'effectuer deux cuissons successives après avoir laissé refroidir entre les deux. Très bien. Je crois qu'à la gamme, nous avons aussi un produit qui est préconisé par de nombreux constructeurs dans le cadre du remplacement de la pompe à eau, notamment chez Fiat, lors d'une campagne de rappel internationale sur les pompes à eau. Eh oui, Sylvie, il s'agit du nettoyant circuit de refroidissement qui va, comme son nom l'indique, nettoyer le circuit de refroidissement suite à une réparation ou lors de la vidange d'entretien du circuit de refroidissement. Il élimine les résidus, les saletés, ainsi que la contamination du circuit par l'huile moteur. Après utilisation, sur le circuit, doit être rincé à l'eau claire avant de refaire le niveau de liquide de refroidissement. Et maintenant, chers téléspectateurs, nous allons vous présenter un produit dont la démonstration m'étonne toujours de par son efficacité. Je vois, Sylvie, de quel produit tu veux parler. Le Stop Fuite Plus, notre anti-fuite circuit de refroidissement. Il permet d'étanchéifier les fissures jusqu'à 0,1 mm de large. Il évite les suintements au niveau des joints et des raccords, compatibles avec les circuits de refroidissement, avec ou sans filtre. Mais plus que démo, faisons la démo. Effectivement, Fabien, je ne m'en lasse pas et je te propose qu'on partage la vidéo avec nos téléspectateurs. Résumons, pour cette famille d'additifs traitement de refroidissement Wurth, nous avons vu qu'ils étaient simples d'utilisation, ils permettent de solutionner des fuites sur le circuit de refroidissement et les joints de culasse, et de faire des réparations économiques et rapides. Nos offres exclusives Web TV apparaissent à présent en bas de votre écran. Profitez-en. Dans la gamme additifs, nous avons aussi des produits techniques qui permettent de nettoyer les organes comme l'admission, le turbo, la vanne EGR ou les filtres à particules. En effet, Sylvie. Pour répondre totalement aux attentes de nos clients garagistes, nous avons intégré dans notre gamme additive plusieurs produits techniques, comme le nettoyant ATE, admission, turbo et EGR. Il s'agit d'une mousse expansive que l'on vaporise par le conduit d'air au niveau du filtre à air, moteur tournant, régime à 2000 tours. Et ce nettoyant efficace va décoller et éliminer les suies, les calamines, les dépôts dans les différents organes cités. Nous renouvelons l'opération autant de fois en fonction de l'encrassement constaté. Le deuxième produit technique est le nettoyant FAP, sans démontage, pour les filtres à particules. Nous avons été précurseurs en 2015 lorsque nous avons mis sur le marché ce produit, car il permet de nettoyer un filtre à particules sans démontage et nous garantissons son nettoyage jusqu'à 80% de taux de colmatage. Il suffit de le vaporiser dans le FAP par la sonde de température en amont de celui-ci. Lancer une régénération routière ou statique et effacer les codes défauts à l'aide de la valise diagnostique WOW de chez Wurth.
Fabien, je te propose qu'on visionne une vidéo sur le sujet. En conclusion, Sylvie, nous avons vu que notre gamme additive Wurth pour les ateliers mécaniques apporte une solution au problème d'encrassement des moteurs liés à la combustion des carburants et permet de prolonger la vie des différents organes de la ligne de combustion et du moteur. Permettent des réparations économiques et rapides, apportent un CA additionnel et des marges confortables. Tout à fait. Et en plus de tout cela, Wurth propose à vous, chers clients, une gamme exclusive destinée à la revente. Je vous en ai parlé en introduction de cette émission. En effet, fort du constat des baisses d'entrée dans les ateliers, le groupe Wurth a réfléchi à une gamme de produits vous permettant de générer du chiffre d'affaires. Pour cela, des produits au format adapté à l'automobiliste, avec un packaging premium, un visuel exclusif et un design révolutionnaire vous sont proposés avec la PLV, présentoir, affiche et flyer. Tout à fait, Sylvie. Le groupe Wurth et un cabinet de marketing ont travaillé sur une nouvelle gamme d'additifs à la revente composée de 5 flacons spécifiques. 2 traitements carburants préventifs, essence et diesel, 2 traitements carburants curatifs, essence et diesel, et un régénérant booster FAP qui permet d'abaisser la température de régénération afin qu'elle se déclenche plus souvent sur les petits parcours et d'éviter que le filtre à particules se bouche à nouveau. Merci pour toutes ces préconisations, Fabien. Vous pouvez dès à présent bénéficier des offres valables durant cette émission et ce jusqu'à la fin de l'année. Voilà Sylvie, l'émission arrive à sa fin. J'espère que cette présentation vous aura aidé à passer le cap et proposer des additifs Wurth à vos clients. N'hésitez pas à consulter nos pages dédiées et notre catalogue sur l'e-shop. Vous y retrouverez tous les produits de la gamme additif automobile qui n'a qu'un seul but, vous faciliter le quotidien et améliorer votre rentabilité. Nous vous remercions de nous avoir suivis et restons à votre disposition pour toutes questions auxquelles nous répondrons avec plaisir via le chat. Au revoir et à bientôt pour de prochaines émissions. Merci, au revoir.